À quelques pas des quartiers les plus fréquentés de Bordeaux, se dressent les ruines de l'amphithéâtre antique appelé Palais Gallien. Ces vestiges ne représentent qu'une infime part de l'édifice initial. Car, relégué à l'extérieur des remparts dès la fin du IIIe siècle, l'amphithéâtre a été progressivement englouti par l'urbanisation moderne. Mais que sait-on maintenant de cette longue histoire ? Le Palais Gallien est le monument antique du burdi gallo-romain le plus ancien que nous ayons aujourd'hui à connaître, et pourtant il est mal connu malgré les fouilles qui se sont succédées au cours des siècles et des décennies, la dernière datant des années 1950 avec le professeur Étienne. C'est pourquoi, muni de ces interrogations et afin de mieux valoriser le Palais Gallien en regard de la population bordelaise d'une part, mais aussi des touristes nombreux qui connaissent cet édifice, la ville de Bordeaux a souhaité que de nouvelles fouilles puissent être organisées pour répondre à un certain nombre d'interrogations. Quelle est la réalité de son histoire et de son ancienneté, son mode de construction ? Comment il a évolué dans ce quartier et comment il s'est développé au fil des années. Le programme d'études et de mise en valeur du Palais Gallien a associé pendant 3 années la ville de Bordeaux, la DRAC Aquitaine et l'Institut Ausonius, qui est une unité de recherche de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 et du CNRS. Il a permis de reprendre des fouilles archéologiques sur la parcelle publique, de dater l'édifice et d'en restituer l'architecture sous la forme d'un modèle 3D. Mais le projet est allé au-delà. Il a exploité des fonds d'archives jusque-là négligés, des centaines de vues, de textes, de plans, qui ont permis de reconstituer l'histoire du site et du quartier dans lequel il s'inscrit. En somme, une histoire longue de 20 siècles, désormais accessible à tous. De 2010 à 2012, les 3 campagnes de fouilles dirigées par David Ourcade ont servi de chantier école aux étudiants en archéologie de l'université. Cette étude, originale, s'est enrichie des échanges permanents entre chercheurs en sciences humaines et en sciences dites dures. Les fouilles anciennes des 19e et 20e siècles avaient eu pour objectif principal de retrouver les nouveaux antiques afin de dater l'amphithéâtre et de comprendre son architecture. Focalisée sur l'Antiquité, ses premières recherches avaient fait l'impasse sur la longue histoire du site. Au contexte antique, ne parle du monument. Les premiers témoignages remontent à la fin du XIe siècle et signalent des vignes situées aux arènes. Surtout à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, l'amphithéâtre est appelé Palais de Gallienne. Galliena apparaît successivement dans 2 légendes, soit en tant que courtisane et concubine de Charlemagne, soit en tant que reine et épouse du roi de Bordeaux, Sénébrun. Quelle que soit la version que l'on retient, la figure de Gallienne sert à glorifier les origines de la ville. Parallèlement à ces récits légendaires, la documentation foncière des 14e et 15e siècles permet d'imaginer les vestiges au milieu des vignes. Les textes suggèrent aussi l'existence de sablières. Le sable extrait du sous-sol du Palais Gallien alimente en effet plusieurs chantiers de construction. Et sur ce point, l'archéologie apporte une vision très complémentaire. Les sondages réalisés entre 2010 et 2012 à l'intérieur de l'amphithéâtre ont montré la présence de grandes fosses circulaire de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et de au moins 4 mètres de profondeur, qui correspondent en fait à des fosses d'extraction et de récupération de matériaux du substrat, c'est-à-dire de l'argile, des graves et surtout du sable, puisque tout ce quartier de l'amphithéâtre du Palais Gallien, pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au 19e siècle, a servi de sablière. Du 14e au 17e siècle, l'amphithéâtre devient une vaste carrière. Les murs antiques constitués de moellons et de briques sont basculés à l'intérieur des fosses, puis remployés dans diverses constructions du quartier Saint-Seurin,
comme le suggèrent les mentions de maisons édifiées à la manière du palais gallien. Beaucoup de textes médiévaux et modernes témoignent du caractère sulfureux du quartier. Du XIVe au XVIIe siècle, les conflits entre nobles se règlent au palais gallien, sous la forme de duels. Le quartier est associé à la prostitution, c'est également un lieu où l'on célèbre des pratiques occultes, comme le sabbat des sorcières. Éventré de toutes parts, le site est transformé en décharge vers 1660. En 1673, un arrêté contraint les tanneurs de la rue Fondaudège à transporter au palais gallien le pelan, ou résidu de chair et d'ossements animaux, qui reste après le traitement des peaux en cuir. Lorsque les pluies surviennent, précise l'arrêté, il coule de cette butte de pelan une liqueur crasse en telle abondance qu'elle pénètre et remplit les canaux de la fontaine d'Audège, dont les eaux servent pour l'usage du faubourg, de la ville et du château Trompette. Transportées vers la décharge, les carcasses d'animaux sont brûlées à la chaux vive. Elles constituent une couche archéologique très nettement identifiable. Bien que transformé en décharge, le palais gallien attire l'attention des érudits et des entrepreneurs. Au XVIe siècle, l'humaniste Élie...